Hey, salut tout le monde, c'est ML2G, on se retrouve pour la Spring Yard Zone 1. C'est la petite session Sonic the Hedgehog, nous sommes déjà à la troisième petite session. Comme vous avez pu le voir et comme je vous l'ai déjà dit, de toute façon, c'est une petite session par monde. Et nous allons tenter encore une fois de récupérer les derniers émeraudes du chaos. Il me semble qu'il en reste 3 à récupérer. Je ne suis pas sûr de mon compte. Il me semble qu'il y en a 7. Hein. Et là, on va foncer. Merde. Oh bah j'ai eu de la chance. Il y avait un ressort, mais il y avait un ennemi qui me suivait derrière. Il me semble d'ailleurs que cet ennemi-là, on le verra tout à l'heure, ressemble à moi. À Sonic. Mince. C'était la plateforme qui montait. Bon. On va faire un petit demi-tour. Ah bah tiens. Ah bah non, il me ressemble pas du tout en fait. N'importe quoi moi. Là par contre c'est chiant. Vous voyez les pentes là, j'essaie d'avancer mais ça avance pas. Hein. Allez, allez, allez. Ah. Bon. Toi tu gages. La plateforme elle est là. Allez vite, on monte dessus. Très bien. C'est pour quoi faire. Ok. Ah, c'est pour récupérer des rings. Des anneaux. Ah non, il y a des télés quand même. Pas de passage secret. Ouf. Je l'ai échappé belle là. Ouais, dans ce niveau, il y a pas mal de passages secrets dans les murs. J'en connais quelques-uns, mais après, ma mémoire, elle est pas aussi fraîche que la dernière fois que j'ai joué à Sonic. Hein, parce que la dernière fois que j'ai joué à Sonic, ça remonte à la Mega Drive. Hein. Quand elle était encore chez moi. Là, avec les pentes, on va jouer un petit peu. Voilà. C'est marrant, il est marqué Up, On, CPU. Allez, vas-y, monte. On va... Ah, si, tiens. Allez, hop. Trois d'un coup. Il y a des petits cochons qui sortent à chaque fois qu'on bute un ennemi. Et checkpoint. Enfin, checkpoint. C'est pas vraiment un checkpoint, c'est plutôt un... Comment je pourrais dire ça? Un point de restauration. Dès que tu meurs, tu reviens là. Il n'y en a pas forcément qu'un dans le niveau. Bon, après, je sais que dans Sonic the Hedgehog 2, t'en as pas qu'un seul dans le niveau. Hein. Ah, c'était chaud, là. Hein. Ici, je sais plus s'il y en a qu'un ou pas. Bon, en bas, j'ai vu des ressorts. Bon, il y a quelques pièces là-haut. Pas des pièces, des rings. Faut que je me mette ça dans la tête aussi, hein. J'ai un peu de mal. Ok. On va récupérer la télé. Ah tiens là, à droite. Il y a un petit passage. Oh là. Ah bon, on est à la fin. Très bien. Oh yeah. Sonic has passed Actor 1. Ça c'est cool. Maintenant on va passer au bonus stage. J'espère ne pas me foirer. Ok. Je m'en souviens plus du tout de ces niveaux. Hein. Putain, je vais un peu trop vite, je trouve, là. Hein. Tu vas doucement. Bah, non, tu vas pas en arrière non plus. Je veux bien que tu ailles doucement, mais... Allez. Ah. Ok, par là, est-ce que je peux y aller ou pas? Allez. C'est pas croyable. Hein. Non. Allez, Sonic. Allez, Sonic. Ok, de l'autre côté, c'était un trou. Donc, on n'y va pas. Ah là là, ok. Je pense pas que là-bas ce soit la bonne idée de passer. On va continuer à droite. En bas ça doit être un trou. On va continuer en haut. Ah ouais, tiens, c'était un trou. Ok, nickel. Nous y voilà. Oh, celui-là il est gris et rouge. Enfin, il clignote gris et rouge en tout cas. Oula. Ah, j'ai eu peur. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh yeah. Parfait. Alors, je regarde sur la capture, ça déconne apparemment. Je suis désolé. Oh, j'ai un continu. Je veux pas dire, mais j'ai quand même de la chance avec les émeraudes du chaos. Hein. Parce que de mes souvenirs, ils étaient pas si simples à récupérer. Hein. Ok, donc on va y aller cool. Voilà. Eh. Tu me laisses descendre, ouais? Vas-y, vas-y. Voilà. Oh yeah. Oh, pile poil dessus.
Oh là. Un peu plus, et si j'allais un petit peu plus vers la droite, c'était mort. Alors eux, pour les péter, faut juste rouler derrière. Vas-y, calme. Là, il y a des pics, il faut faire la gaffe. Hop là, voilà. Bon, on va monter en haut, voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des chemins un peu partout. Hein. Et on roule. D'ailleurs, c'est un très bon jeu de plateforme, Sonic. C'est pour ça que c'est un jeu que j'apprécie. Tiens, on va y avoir un passage secret, là. Et voilà. Ah ouais, c'est... Non, c'est que pour des rings. Non, c'est pas possible. Il doit y avoir autre chose. Allez, arrête de rebondir. Il doit y avoir autre chose. Ah bah non, y a rien. Bon, c'est pas grave, on va ressortir. Je disais, Sonic the Hedgehog, c'est un très bon jeu de plateforme. Mais bon, à part quelques phases comme on vient de faire là, il n'y a pas beaucoup de phases de rapidité. Alors que Sonic, c'est censé être un personnage rapide. Bon là, c'est un petit peu chiant là. Allez, allez, voilà. Ouais, donc Sonic, il est censé speeder parce que c'est... Parce qu'il va à la vitesse supersonique. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Sonic, je pense. Je connais pas trop l'histoire. Malgré que j'ai le livre de... D'accord, alors la caméra, elle est très bien foutue. Si tu veux te baisser, tu vois plus rien. J'ai le livre chez moi de l'histoire de Sonic, mais j'ai pas encore fini de le lire. Parce qu'il y a quand même énormément de pages. J'ai lu juste... comment il a été conçu, en fait. Parce qu'à la base, la mascotte de Sega, c'était pas Sonic, c'était un autre personnage. Je crois que c'était Alex Kidd. Qui devait détrôner Mario. Et finalement, ils ont décidé que ça n'allait pas et qu'il fallait créer un autre personnage. Et sur les croquis des personnages, il y avait justement le hérisson bleu. Très bien, on a terminé le niveau, ça c'est bon. Ah, j'aime bien quand je parle et qu'on termine le niveau comme ça, pas de soucis. Je disais, donc il y avait le hérisson bleu, qui était pas bleu à la base, hein. Il y avait donc le hérisson, il y avait un chien, il y avait un lapin et autre chose. Oh là, l'anneau il est déjà... pas l'anneau. L'émeraude est déjà là. Ok, bah très bien. Celui-là est quand même un petit peu simple, hein. Je voudrais pas dire. Allez. Allez. Allez, Sonic. Ok, bah c'est bon, nickel. Et voilà. Ah, maître du chaos. Ça veut dire que j'ai récupéré toutes les émeraudes. Mais il y en a que 6. À mes souvenirs, il y en avait 7, hein. Bon bref, déjà ça c'est une bonne chose, j'ai eu de la chance tout le long de ma petite session de réussir à avoir les 7, bah non pas les 7 finalement, les 6 émeraudes du chaos, sans perdre un seul bonus game, alors là je suis content de moi. Bref, donc voilà, je vous parlais justement de la création de Sonic, ils avaient décidé, non, pas des pics là, c'est chiant, ah tiens, il y a des rings en dessous, comment on y va? Par là. Excusez-moi, je parle, je me coupe, je reparle. De toute façon, vous avez entendu, il y avait un chien, il y avait un panda, il me semble, un lapin, et il y avait le hérisson. Et ils ont gardé le hérisson. C'est ce qui a donné Sonic. Ils ont créé un jeu. Et à la base, d'ailleurs, Sonic, il me semble, je vous dis peut-être des bêtises, parce que ça fait un moment que j'ai lu les quelques lignes de mon livre. C'est que le jeu Sonic the Hedgehog... Oula, je vais me faire écraser là. Non, c'est bon. Était pas censé être pour Sonic, mais pour un autre personnage. Et puis finalement, ils ont mis Sonic dans le jeu. Et ça a très bien rendu, puis ils ont gardé ça. Pourquoi le hasard fait bien la chose, hein. C'est un peu comme Mario. Hein. Mario, à la base, c'était pas la mascotte. Hein. C'était Donkey Kong. Non, mes pièces, mes rings. Oh là, je me mélange les pinceaux. Vas-y, doucement, doucement, doucement. C'était Donkey Kong, la mascotte de Nintendo à l'époque. Finalement, ils ont gardé Mario. Ok, ça c'est un petit peu chiant et c'est un petit peu long là. Lui va me cracher sa boule. L'esquive, voilà, il l'a craché. Je m'en vais. Checkpoint. Non, tu descends maintenant. Voilà, il est allé tellement vite que... Là où il y a un passage secret, ça j'en suis sûr et certain.
on va le prendre. Mais Mario, Sonic, pardon, il va tellement vite qu'il dépasse du champ. D'accord, alors j'ai du mal. Ah, il va trop vite, vous voyez, on voit les télés à droite là. On va y aller sans se mettre en boule, peut-être que ça passera. Oh là bas, non, pas du tout. Bon, tu deviens un petit peu chiant, Sonic, là. Hein. Peut-être que comme ça, ça passera. Ah, nickel. Rapidité et invincibilité. Ça, c'est bien, ça. Là, on va foncer. Allez, 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 allez. Allez. C'est pas possible, ça. Je suis rapide et invincible, donc je peux speeder. Mais non, il y a des obstacles qui m'empêchent de... Ok, alors ça, ça dégage. On va monter. Bon, bah l'invincibilité, voilà, c'est mort. Ok, oh là, il va vite lui. Ça, il est tout seul. Bon, on est bientôt au boss normalement. Oh là. Et on descend. Ok, ah, les pentes. Les pentes. C'est tellement sympa. Bon, vas-y, on va y aller comme ça parce que sinon on en a pour 3 heures. Ok, checkpoint. Oula, j'ai eu de la chance parce que normalement c'est un trou là. Hein. Voilà, la synchronisation est vraiment merdique. Aïe, 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 aïe. Bon, ça devrait aller là. Voilà, très bien. Et là on y va cool parce que je sais qu'on est bientôt au boss. Parce qu'aussi surprenant que ça puisse paraître, je suis mort plusieurs fois ici quand j'étais petit. Mais à mon avis, je pense que en prenant du recul par rapport à aujourd'hui, c'est parce que je fonçais un petit peu. Voilà, on est arrivé au boss. Alors le boss, faut faire gaffe, voilà. Il sort un pic pour récupérer la plateforme qui est en dessous de moi, sous mes pieds, pour me faire tomber dans le vide. Mais salaud! Sauf que si je fais pas gaffe, je peux tomber facilement dans le vide. Hein. Vas-y, prends un bloc, voilà. Oh yeah! Robotnik! Je viens de te botter les fesses! Bon, bien voilà, on a terminé le monde 3 de Sonic the Hedgehog. Je vous dis à très bientôt pour la petite session numéro 4 de Sonic the Hedgehog. Ciao tout le monde! Oh yeah, succès.